Oui, ça évite vraiment les fraudes. Parce que vu ce que nous voyons qu'il n'y aura pas de fraude. C'est le lancement au niveau national. Il faut dire qu'il y a 92 766 candidats au total. Nous avons 375 concours à organiser cette année en 2024. Et pour ce week-end, nous avons 45 concours et un peu plus de 14 000 candidats sur l'étendue du territoire. Nous avons choisi Yam Sokro par rapport à la politique de concentration du gouvernement. Nous battons tous les jours pour rendre crédibles nos concours et nous ne pouvons pas le faire sans évidemment la participation des candidats eux-mêmes. Donc c'est à eux. Nous avons lancé le message ce matin pour qu'ils puissent éviter tout ce qui est fraude, corruption et se concentrer sur le concours lui-même. Nous leur avons donné des numéros verts et puis la plateforme spatiale pour que en cas de quelque chose qu'ils auraient pu constater, qu'ils fassent appel sur ce numéro vert pour faire des dénonciations. Puisque nous voulons vraiment des concours crédibles, des concours sincères qui reflètent la valeur de nos candidats.